On sort les dossiers. Allez, on est parti. Allons-y. Ah merde. Ah forcément, moi qui me motive pour l'intro et tout, et ça commence par... Oui, j'autorise, oui. Oh petit con, ça va pas dans ta tête, tu prends où? Eh mais dégage là, va sucer ton pote. Moi je viens d'un pays d'internet infini où tu surfes pendant des heures. Ou pendant ton sommeil, même les trolls te harcèlent. C'est bizarre ça, mais c'est chez moi. Quand le poids vient du net et de sites pas très nets et s'insère profond dans ton corps, c'est l'instant envoûtant où tu trouves en cliquant une véritable mine d'or. Aux nuits d'insomnie, mille jeux de folie. Ce que tu joues juste après minuit jusqu'au lever du jour. Aux nuits d'insomnie, mon regard devient lourd. Comme un fou qui se perd au cœur d'internet à travers l'amour. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue sur Bob Lennon pour des promesses électorales tenues. Oh là 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 là, The Classroom 2, la triche, chers amis, la triche. Pour ceux qui avaient suivi l'épisode sur ce jeu déjà autrefois et qui sont là, mais Bob, tu vas pas le refaire. D'une, je l'avais jamais fini parce que j'avais pas réussi à passer un des, je crois que c'était le sixième niveau. Et de deux, vous allez pas me dire que les jeux répétitifs qui sont souvent la même chose, vous les regardez pas, hein. Je veux dire, vous êtes des regardeurs de Fortnite, vous êtes des regardeurs d'Isaac, je vous connais, hein. Depuis le temps que vous regardez Skyrim, vous avez pas cassé les couilles, c'est parti. Une année après l'accident, Alex a décidé de continuer ses études et a décidé d'aller à l'université. Premier jour, acte 1. On re-retraduit, hein. Bonjour Alex, nous avons un nouvel ami. Bonjour tout le monde. Allez, assieds-toi Alex, maintenant casse pas les couilles. Oui monsieur, merci monsieur. Oups, c'est madame. On va dire madame. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches? Je mets des coups de tête moi. Je suis un fou. Non, je... Le but du jeu Brave Jean, c'est, je le rappelle hein, très rapidement, c'est de contrôler cette petite boule bleue qui est cet élève dans la classe et de copier les réponses du contrôle sur la petite boule pêche en haut, hein, jaune, pêche, couleur chair, c'est comme vous voulez, sans que le prof ne vous repère. Donc laissons l'histoire et essayons de traduire en temps réel, on va voir un petit peu si on fait de la merde, c'est parti. Alors, aujourd'hui nous parlerons à propos de la chimie et ce faisant... Psst, hey, Gamma, viens ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches, tu frites. Vas-y, on se rejoint dans les chiottes après la classe. Qu'est-ce qu'il y a? Sous le préau, tu frites. Le mec s'énerve tout de suite. C'est l'histoire, le jeu s'appelle The Classroom 2. Si jamais j'arrive à le finir, je ferai peut-être le 3 et le 1, on verra bien. Salut Alex, enfin, on va pas lui faire cette voix. Quelle voix on va lui faire à Orange? Pourquoi la voix comme ça? Salut Alex, je m'étonne que tu ne sais pas pourquoi nous tu es ici. Nous avons entendu parler de toi depuis le massacre. Nous avons entendu parler de l'accident et tu t'en es sorti malgré tout. Et c'est pour ça, je voudrais que tu rencontres l'équipe. Voici Mélanie, une gonzesse à gros nichons, elle peut distraire les profs. Et James, ha, c'est lui qui vole les contrôles. Et moi, je suis Samuel, le chef du crew. Alors tu m'écoutes, gamin, ok? Et puis, si tu suis les règles, tout ira bien. Règle numéro 1. Ah non, pardon, c'est les réponses, d'accord. Vas-y, nique les règles! Nique les règles! Je suis tout seul, moi, je suis un malade. Je suis seul tout. Ou numéro 2, ok, pas de problème, ouais. Demain, il y a trois tests qui vont tester nos connaissances de collège. Moi et le nouveau, on va faire les contrôles. James, tu vas trouver le contrôle et Alex, tu vas le copier depuis ma table, ok? Mais tu fais gaffe au prof, hein. On se retrouve après le troisième test. Ziva, ok? Je fais très très mal le Ziva.
Mon Ziva, il date un peu de l'école, de l'époque de, de Gottlieb et de Little Kevin, donc c'est les années 90. Donc vous pouvez le voir, le prof, il est là, et si je le regarde, il fait « Monsieur, monsieur, je peux pisser ?» Bah, direct ! Direct ! En fait, ce qui se passe, vous le voyez pas, mais le prof, il sort un Glock, tu vois. Il panique pas, le prof. Il panique pas. Bien évidemment, comme il est en ZEP, comme il est en ZEP à Paris, il panique pas. Il sort un Glock, il vise le visage de l'élève et il tire, forcément. Donc, faut faire attention. Faut faire attention. C'est sûr que les classes de SECPA, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va tenter Pépon, 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 le bruit font les pompiers. Regarde, regarde. C'est bon. Le prof, quand il voit forcément un élève de sa classe en train de dealer du crack dans le coin de la classe, il ne se pose absolument aucune question. Oh là 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 là. Et voilà. Vous voyez que ça s'est plutôt bien passé. Hein. Il a rien vu. Oh, oh, je... oh, oh la vache, il est vénère ce prof, il est vénère. Il faut que je clique dessus, hein, c'est pour ça que vous voyez mon curseur. Forcément. Je vends de la... Tu t'en veux? T'en veux? Moi je vends. Hein. Oh, et voilà! Et voilà! Level up de discrétion à la Skyrim, j'avoue. J'avoue, j'avoue, si on a l'animation. Ouh là là, je suis passé dans le dos! Je lui ai pris les clés! Oh non! Oh d'accord, il est vénère. Oh d'accord, on peut pas bouger. Non, ça passe pas. Il faut être patient, il faut être patient. Ninja! Tiens, tiens. Tcha 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 tcha. Délicieux. On a tout, on a tout, on a tout, on a tout. E égale MC2, mon gars. E égale MC Solar. Oui, les vieilles références. Oh, il a rien vu. Il a rien vu. Putain. C'était incroyable, mec. Comme dans Metal Gear Solid. Metal Gear. Ouais, t'y as jamais joué? Non. Ah putain. Putain de chaise de merde, il me rend fou et en plus il rend notre boulot plus difficile. Attends, j'ai une idée. Quand il fera noir, on entrera dans la classe et on va dévisser les boulons des roulettes de sa chaise. Haha. Et puis je garderai la porte pendant que toi tu dévisses les boulons, hein. Mais comment? Eh bah tu vas jusqu'à la chaise et t'appuies sur la souris. La souris? Ah bah je veux dire utilise le... Oh, casse pas les couilles! La souris. On est bien. Jusque là, c'est tout ce qu'on avait déjà fait. Hein. C'est pas le niveau. C'est quelque chose que tu peux voir sur la chaîne pour l'instant, hein, cher ami qui regarde. C'est bon, ça dévissait. Quelqu'un vient. Suis-moi. Oula. Ah, ma salle de classe. J'aime chaque centimètre carré de toi. Faites pas attention à nous, monsieur, on est... On est homosexuels, faites pas gaffe, faites pas... Oh non! Il m'a pas laissé sucer des bites! Bon, quel dommage. Les deux élèves que tu surprends dans la classe, tu sais, en train de faire des saloperies. Uniquement à Paris, brave Jean. Quel régal. Quel régal. Donc le prof est salle de classe au sexuel. Il adore glisser avec la chaise, qu'il dit. Ouh là 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 là, c'est passé. C'est passé, c'est sorti. Phew. C'est sorti, c'est sorti. Ok. Vous êtes tous qu'une immense... disgrâce. Les tests ont tous été foireux, sauf Alex et Samuel, surprenamment. Alors, bleh. Vous trouvez ça drôle, hein? Vous trouvez ça drôle? Eh ben, on va voir à quel point le contrôle de demain sera drôle.
Mec, il va pas nous faire un contrôle de maths, il va nous faire un contrôle de philo. Le truc du mal, en fait, où il peut te noter comme il veut, de toute façon, y a pas moyen de justifier la bonne ou la mauvaise note, en fait. Fait chier, ce prof nous punit. Nous punit tous. Il nous punit collectivement, la pire erreur qu'un prof puisse faire. Mélanie, on a besoin de toi ce coup-ci. James, tu prépares les réponses pour le contrôle. Et Alex, dès que t'es prêt, t'appuies sur la barre espace pour que Mélanie monte ses nichons. La barre espace. Arrête de faire chier avec tes références de Metal Gear et avance. Entendu. Allons-y. On sort de la chaise. C'est rien, monsieur, je m'étire. Barre espace. C'est pas juste. Attention. Oh, j'ai... Ah, il m'a vu. C'est dégueulasse. Voilà, synchronisation incroyable. Travail d'équipe, travail de groupe, hein, chers amis. Oh là là, j'ai le contrôle. Oh là là, il a rien vu. Je prenais mon stylo, monsieur. Il a rien vu, putain, il a rien vu. C'est bon. Le prof qu'elle a... Ah ouais, ok, ouais, c'est très joli. Hein. Tu peux ranger tes nichons maintenant, Mélanie. Ah, c'est bon, ça. Ok, très bien. Demain, on recommence les contrôles classiques et on pourra enfin utiliser ces boîtes. Tout ce qu'on a... les boîtes qu'on a sur la table. Le but, c'est de créer une potion... Et blablabla. Est-ce que t'as seulement écouté le prof? Non. Ok, moi non plus. Mais James l'a écouté. Il nous donnera les instructions pour faire la potion que Snape y veut. Enfin, que le professeur Rogue y veut. Neville long du bas. Exactement. Ça va bien se passer. Chimie, on attend une distraction. Oh, la distraction. Merde. Je me suis attiré là avec le... Mes yeux, ta gueule est bosse. Mais monsieur, mais monsieur. Mais monsieur, il est blessé, ta gueule. Réaction classique de professeur en zone à difficulté. Allons-y. Putain, cette petite fuite dès le début. Attention. Sors de ma classe! Tu gênes le contrôle! Là, je lui ai fait une Batman au type. Hein. C'est-à-dire, il regarde, il tourne la tête, il re-regarde et tcha 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 tcha. Kazim, il est plus là, quoi. La flip, c'est le ninja arabe. C'est fantastique quand même. Ok. Madame, enfin, monsieur Anderson s'est fait suspendre à cause de la situation de hier. Le nouveau teacher, c'est mademoiselle Hernigan. C'est la mauvaise nouvelle, hein. Et en plus, on sera séparés. La bonne nouvelle, par contre, tu seras avec James. Il sait tout, alors sers-toi de lui. Ok, tu te démerdes et ça va bien se passer. Et Alex? Ah, t'es un super tricheur. Merci. C'est ce que ta femme me dit souvent. Alors les gens sur le chat sont la ninja rap, pourquoi je ris? Alors. Mes chers étudiants, je suis Madame Hennigan et vous pouvez vous considérer malchanceux. 4 contrôles, demain, préparez-vous. Putain, elle te la joue World of Warcraft, la prof, hein. Vous n'êtes pas prêts. Mais monsieur, c'est le premier jour de classe. La violence, hein. Tu cherches. Excusez-moi, l'idée de l'élève qui se lève d'un coup de la table parce que la prof s'approche un peu trop. Excuse-moi. Ok. Juste, j'ai été à Marcel Pagnol à Valence, chers amis, alors venez pas me parler de... Je sais exactement à quoi ressemble ce genre de situation. Où j'ai fait le grand tour, c'est peut-être un peu ledge. Ah non, ça passe pas. Donc par où il va falloir passer? Il y a peut-être un moyen de faire un chemin par là. Peut-être bourrer par derrière les élèves, hein. Je m'en souviens plus, hein, mais ça va bien se passer. Ça passe, ouais, ça passe. On peut suc et on s'éloigne. On repasse derrière.
On prend les réponses, on suc, on suc. Là, elle va nous faire un petit retournement de situation comme on les aime pas. Voilà. Suc, 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 suc. Délicieux suc. Et là, pec, on poignarde la prof. Non, je suis désolé. Impeccable. Phew. Ah, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Ah merde. Ok, je crois que c'était sur Mrs. Backwards. Je crois que c'était sur ce niveau qu'on était bloqué, chers amis. Donc enfin, à tous ceux qui ont regardé la vidéo de l'époque, là je me fais une promesse électorale de passer ce niveau. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez, allons-y. C'est pas passé. C'est pas passé, c'est pas passé. C'est pas passé, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, le seul moment que tu as, c'est de passer derrière cette chaise de manière correcte et harmonieuse. Ah là, ça pompe là. Là, ça suce là. Là, ça suc. Là, ça suc. Là, ça suc. Oh, j'ai suc. Oh là là, oh, c'est passé. Au second try, on va plus loin, on pénètre. Avec l'âge, le Lennon se bonifie, mon gars. Contrôle numéro 3. Pff, qu'est-ce qu'il fait? Bah... Quoi? Retourne à ton siège. Si l'un d'entre vous essaye à nouveau de me corrompre, j'abattrai... Karim. Ok. Karim est en sueur là, si tu veux. Ah non, mais en plus malchance, hein, c'est le seul bon élève de la classe. Hein, c'est Karim Leblanc, il est là, il est beau, il est sublime, il a rien demandé à personne. Mamie, elle lui a promis une balle. Hein, ça déconne zéro. Hein. Mamie, elle sait faire. Hein, mamie, elle sait gérer les situations extrêmes. Allons-y. Donc dès le début, on va tenter une... On va tenter... Oulala, oulala, oh, je peux me tenir au milieu de la classe. Ah merde, non, c'est à droite. Ah, je me suis gouré. J'aurais dû passer par là. Hé, 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 hé. Je peux avoir de l'argent. Je peux avoir des thunes. Ok, très bien. Donc on va tenter une arnaque moldave. Ah, on peut pas, il nous voit, hein. Putain, on n'est pas dans le cône, mais ça active mamie. Hein. La mamie vision. D'accord, ok, ok. Par contre, on peut bourrer dès le début un petit passage sud. Ah non, ça passe pas. Ah non. Il faut bourrer dès le début un petit passage sud, voilà. Histoire en fait de s'accorder un passage plus rapide. Ah, attends, ça passe pas, hein. Elle nous voit du coin de l'œil, hein. Oh, elle déconne zéro, hein, mamie Nova, hein. Ah, putain. Faut vraiment attendre que Jean-Philippe monte jusqu'à la table. Voilà. Putain, allez, copie. Oh, la vache. C'est violent. Putain, il veut plus copier. Pourquoi il copie plus? Ah, putain, il faut vraiment se mettre à côté. Hein. Ok. Ah là, elle te voit. Hein. C'est la violence. Hein. Ah, ça va être la violence. Hein. Elle va être tendue à passer, Madame Hunnigan. Légendaire, impeccable. Donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On peut pas faire le tour là? On peut pas faire le... Elle m'a vu, très bien, elle m'a vu. On peut pas faire le tour, faut faire le tour par-dessus. Dès le début, faut la jouer agressif en fait, d'accord. Dès le début, faut pépon de manière agressive. Ah, pas trop agressif. On commence. Voilà. Oula. Attrapez-le! Non! Quoi? FBI! Ouvrez la porte!
Écoutez, non, on est en devoir de français, là, s'il vous plaît. FBI ! FBI ! Mais non, 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 sans déconner, Platon, c'est important. Ouvrez ! Oh, merde. Ah, putain. Oh, le GIGN qui vient de chercher, quoi. Comme quoi, les enfants, la drogue n'est pas la bonne réponse. Merde, merde. Faisons le tour. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Ça, c'est glorieux. On peut même gratter. Où on a gratté? Attrapez-le! Non! Ah, elle me fait avoir. Il faudrait que je me mette plus au fond, ouais. Ah putain, tant pis. Il faut vraiment gratter jusqu'à la dernière goutte, hein. Jusqu'à la dernière réponse de maths, brave Jean, hein. Là, c'est pas mal. Là, je l'ai excité un peu, mais pas trop. Attrapez-le! Non! Non, laisse-moi passer. Oh! Oh là 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 là. On a battu Mamie Byakugan. C'est la violence, hein. Ah, c'est Hinata Yuga, 64 ans, Byakugan. Il te voit, quoi. Il te voit, sauf que nous, bien sûr, on avait le Sharingan. Attends, c'est le Sharingan ou le Rinnegan qui permet d'intervertir les positions? Je sais plus. Je sais que Sasuke, il peut faire ça, mais tu sais, quand tu intervertis la position de ta chaise vide et la tienne, en fait, comme ça, tu sais. C'est le Rinnegan, on me dit, c'est le Rinnegan, très bien, d'accord, c'est pété. C'est pour ça qu'il le faisait pas avant. C'était le bullshit. Oui, c'est les yeux du bullshit, hein, y'a que ça, hein. C'est le glitchgan, exactement. Alors Alex, comment était l'école? J'ai entendu dire que James et toi, vous en sortez plutôt pas mal. Ouais, vous avez l'air de faire une super équipe. J'espère que James, ça lui pose pas de problème. Pas de commentaires? Ah, tu paries. Je pense que ce serait une super année pour nous tous. Qu'est-ce que... Oh la vache, je suis défoncé. Monsieur Lennon, rendez-vous à la vie scolaire à 18h. La drogue, c'est mal, les enfants. C'est pour ça. Je sais pas ce qui m'est arrivé hier soir. J'ai eu des flashbacks, comme une sorte de vision. Et j'avais l'impression de me regarder dans un miroir. Eh ben, quand tu t'es évanoui, on s'est dit que ce serait cool de te laisser par terre, te reposer un peu au frais. Eh ben, tout va bien maintenant. Aujourd'hui, James n'est pas avec moi, alors je devrais voler les contrôles à la classe d'aujourd'hui. Je serai en solo. Voler, tricher et fumer de la beuh dans des endroits publics. Il te manque plus que le sexe, mon gars. Appelle Mélanie, hein. Ouais, Mélanie, ouais. Sinon, tu sais ce que James fait? Le drama. T'as entendu ça? Monsieur Anderson? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont réinstaurer le professeur? Ça veut rien dire. Où les contrôles? Où ils sont juteux? Ah bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? Je peux vous aider? Ah merde. Je peux vous aider? Ah, je les ai. Ok, répare le truc. Oh, je suis jamais parti! Putain, 29 élèves dans la classe! Ils m'ont tous vu me lever, prendre le papier sur le bureau et... Et vous voulez une anecdote de fou furieux? Je dis pas pour quel diplôme j'ai eu ça. Parce que ça se saurait, hein, pas non plus donner les preuves à l'infini ou quoi que ce soit. C'était pour un diplôme. Et du coup, en fait, le gars avant moi, c'était pas le bac, hein, je vous rassure, c'était un autre. Ni le brevet d'ailleurs, hein, calmez-vous, le brevet c'est difficilement un diplôme. Mais voilà, du coup, voilà. Le mec qui passe devant moi avant l'examinateur, tu sais qu'en fait, ils les prennent deux par. Enfin, comme au bac en fait, ils les prennent deux personnes par deux. C'est-à-dire, il y en a un qui reste au fond de la classe à potacher le sujet qu'on lui a donné, et il passe d'ici une demi-heure. Et l'autre, tu sais, il passe pendant une demi-heure en fait. Voilà. Et là,
J'entre. Il fait, monsieur Lennon, installez-vous, très bien. Alors votre sujet, ce sera celui-là. Moi, je fais, putain, ce sera celui-là. Bon, bah, allons-y, hein, on va essayer de... Tu sais, en fait, t'as le droit à un papier blanc, à une feuille blanche et un stylo. T'as le droit d'écrire un peu tes notes dessus, tu vois. T'as le droit d'écrire ce dont tu te souviens, de manière à organiser ce que je vais raconter. Oui, ça ressemble à l'oral du bac, ça, hein, mais c'est pas... L'oral du bac, j'étais avec deux autres gars, donc ça s'était bien passé. Et du coup, voilà, et là... Moi, je m'installe à la même chaise où se trouvait le gars qui passe actuellement. C'est-à-dire, le mec, il se lève, il va pour passer, l'autre, il y va, tu vois, et il laisse ses affaires. Donc, moi, je pousse un peu ses stylos, je pousse sa trousse, je pousse son cartable, enfin, je vire ça, t'sais. Et sur le bureau en face de moi, il y a toutes les notes du gars sur le même sujet. Il avait pré-préparé une fiche sur les sujets, donc il avait pré-préparé 6 fiches, tu vois, le mec, il avait été lucide. Et en fait, il a laissé les 5 autres par rapport à la 6e qu'il avait été interrogé, qui n'était pas la sienne en fait. Et du coup, moi je regarde sa fiche, je suis là, oh mais c'est divin, le mec il savait tout. Et du coup, bon bah c'est la pépon, hein, c'est la pépon absolue, là c'était, cette feuille vaut de l'or, mon cœur bat plus fort, c'est un vrai trésor. J'en pouvais plus. Donc j'ai tout pompé, je crois que j'ai jamais pompé une feuille qui a joui aussi fort, tu vois. Quelque part, j'ai tout avalé, j'ai gargarisé, c'était dégueulasse. Et du coup, après ça, je me lève, l'autre il récupère ses affaires, moi comme j'avais tout copié sur ma feuille à moi, il se rend compte de rien, tu vois. Il récupère ses affaires, il prend toutes ses affaires, il se casse, une autre gonzesse entre derrière moi, tu vois, il prend ma place. Et là, le prof, enfin l'exam, bon c'était un prof, c'était mon prof, mais il m'installe. Et il me dit, bon bah, monsieur Lennon, parce qu'il me connaissait forcément, il fait, j'espère que vous serez un petit peu meilleur que monsieur Martoni, parce que c'était pas réellement engageant, vous avez entendu? Moi je fais, ah non, j'étais concentré sur mon truc, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il se disait et tout. Il fait, ouais, parce que, vraiment, hein, c'est dommage d'en arriver à ce niveau après une année d'éducation. Donc moi je commence à suer, parce que je me dis, putain, ça se trouve c'est un déchet humain. J'ai copié de la merde. Eh bien non. Sa fiche et son sujet, il était parfait. Je ressors avec... Alors ça notait pas sur 20, hein, c'est pour vous donner une idée. Mais je ressors avec une note, mais goldée. Et moi je suis là, mais... C'était mine. J'ai tout gagné, hein. Ah non, mais j'ai juste tout gagné. Oui, le prof s'est moqué de lui. Ouais, bah je vous l'avoue, c'était en bac plus, forcément, hein, c'était bac plus quelque chose. Et donc pour le coup, le prof était... C'était le prof de com. Et il était... Disons que ce prof de com, il était... Il retenait pas sa langue, tu vois. Lui, il était dans la philosophie de je parle mal. De toute façon, il n'y a qu'un prof de com dans l'Uni. Personne peut me virer. C'est le prof de com. En pleine conversation dans la cour juste avant les cours, il vient voir un de nos potes et il demande s'il peut pas taxer, tu vois. Donc quelque part, ce prof, il était là. Mais par contre, c'était de l'ultra-instinct, brave Jean, j'étais tellement content. Du coup, là, ça m'est arrivé qu'une fois, hein, mais c'est de la chance. Hein. Ça nous est tous arrivé une fois dans notre vie. Un moment où on a eu tellement de chance et on était là, oh la vache. Mais tu sais, où t'es passé, mais en drift. Et tu te dis, mais j'ai eu tellement de la veine. Voilà, c'est pour ça. Mais c'était du génie. Bonjour. Bonjour, Alex. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Mon cher... Mon cher Alex, t'es vraiment un blanc-bec. Est-ce que t'as déjà entendu l'expression « il ne peut en rester qu'à » ? Le plan était très simple. Monsieur Anderson, ici, nous a entendu discuter l'autre jour. Et puis... Et ensuite, il va dire ce que tu as fait au principal. Monsieur Anderson se fait engager à nouveau, et toi, tu te fais expulser. Tout le monde est heureux. Fin du jeu. Toi. Allons, pas besoin d'être agressif maintenant, Alex. Les règles sont plutôt simples. Je pourrais vous abattre tous les deux pour ça. Oh la vache! Oh, le lycée à Saint-Étienne! Tu voudrais peut-être réfléchir à deux fois avant de dire des choses comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire alors? M'abattre? Ou me laisser avoir 0 sur 20? Vas-y, tire. J'ai déjà rempli ma fiche de maths. Je vais te faire du chantage. Ah, oh, eh bien, pourquoi je n'y avais pas pensé?
Tu vas échouer le test de demain, et je dirai au prin- et tu diras au principal que tout est de ta faute. Ou alors, les accidents avec les produits chimiques, ce sont des choses qui arrivent beaucoup trop couramment, n'est-ce pas? Et après, tu seras parti, et tout le monde sera content. Très bien. Alors quelqu'un sur le chat qui dit « Moi c'était au BEP Commerce, il me questionne sur l'entreprise de notre stage, je savais qu'il vérifiait pas, j'ai raconté que de la merde avec assurance banco. » Ah c'était divin. Ah c'était divin, c'était divin. À l'oral du bac de français, j'avais pas révisé, 15 minutes avant j'ai relu vite fait un sujet parmi les 20 étudiés et je suis tombé sur lui. Lusa ! Lussac est divin, le génie! Je lis le chat, hein, brave Jean, mais voilà. Il y a des histoires de génie. Hein. Des gens qui le visent bien. Rien à foutre, je vais tricher au contrôle. Et je les tuerai tous les deux. 0 sur 20, un test de maths. Inacceptable! J'aurais peut-être dû passer par le. Ah, je suis emprisonné. Pana, pana, pana. Pom, 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 toute ta vie. Sus, 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 jusqu'à... Ah, putain. Sus ton écrit. Non. Ah, merde. Il a quand même une zone. Il a une zone où il voit, hein, le prof. Hein. Le prof, il est solide. Sa vision. Voilà. Ouh là là. Ah, quel dommage. Quel dommage, quel dommage. J'aurais pu faire le grand tour et je suis sûr ça passait. Ça passait, ça passait. La concentration est maximale, brave Jean. Pom 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 pom. Ah, et si je me mets au bout, il faut vraiment que j'esquive. Hein. Il faut vraiment que je l'esquive, hein, sinon ça passe pas. Hein. Je croise le prof dans le couloir. L'irrespect est présent. Ah putain, c'est pas passé. C'est pas passé, hein, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, c'est compliqué. Je regarde le chat. Bon, très bien. Ouh là là, il est venu assez rouge. Il est devenu assez rouge, ce qui est somme toute assez dangereux, mais... Il tourne. Ah, il aurait fallu que je... Il aurait fallu que j'avance plus. Il est compliqué celui-là, hein, ce stage. Ce stage qui me donne un tout petit peu de mal. Mais j'ai le temps, hein, j'ai le temps, j'ai le temps. Il faut pas que je me panique, il faut pas que je dérempisse la barre trop en avance. Voilà, tu vois, je peux largement faire le tour et prendre mon temps. Voilà, quand il va regarder là comme ça, il va allonger la vision, puis il regarde ce que lui il écrit, ce que Gédéon il est en train d'écrire. Là, je me décale. Ah ! Ah putain, il faut aller vite. Hein. Est-ce que je peux passer par le sud ? Attends, vraie question ça. Oui, parce que c'est une idée ça aussi. Hein. Voilà, pas mal. Là on est pas mal, là on est pas mal. Alors mon curseur qui se met à clignoter pour une raison qui m'est obscure, mais c'est pas grave. Oh là là, oh là là, ah ce virage du mal. Ça peut passer. Ça peut passer, mais la run doit être parfaite. La run doit être parfaite. Pom 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 pom. Ainsi pom 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 les petites marionnettes. Ainsi pom 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 les petits fanfarons. Ouh là 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 là. C'est passé. Ah, qu'est-ce que c'est que cette vision du mal? Ah, la vision du mal. Ah, je suis dégoûté.
On l'avait. Ah non, mais ce prof qui s'alimente à l'ultra-instinct tous les matins, il est là, Mieta. Moi, je suis un nani. Kokoda. Nani. En mode Skrillex. Mode Skrillex Kingdom Hearts. Le virage. Ouh, le virage. Alors, on est prudent. On est prudent et j'ai pas réussi à passer mon pote. J'aurais pu passer par le haut. Je peux juste le suivre après. Je peux juste le suivre. Ce coup-ci, c'est la bonne. Il va pas me migater nos professories. Ni migater nos TDU. Voilà. On va se calmer. Voilà. Là, je me mets là parce qu'il y a prise de risque. Voilà, parce qu'il fait un petit virage sec. Faut quand même voir l'avenir. Hein. C'est un petit peu le jour de la marmotte. Hein. C'est un peu stylé. Un élève avec les pouvoirs du jour de la marmotte, ce serait complètement fumé, si tu veux mon avis. C'est pas mal. Bon, le virage. Virage du mal. Virage du 24 heures du Mans. Il faut sortir. Putain, c'est bon. Ça va bien se passer. Un élève qui s'énerve dans le coin de la classe. Oh, il a rien vu. Oh là 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 là. Je présume que tu as fait ce que je t'ai dit de faire. Pas vraiment. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai bien peur que je ne doive t'abattre. Tu voudrais peut-être y réfléchir à deux fois avant de dire ça. Crétin, il va mourir à cause de toi. J'ai dit y réfléchir à deux fois. Crétin, vous pouvez pas voir que vous pouvez juste pas gagner. Oh mon Dieu, je perds les pédales. Ah, c'est un déjà vu pour toi, n'est-ce pas? Alors, qui voudrais-tu voir mourir de ces deux-là, hein? Toi. Quelques mois plus tard. Alors, comment vont les choses? Tout est parfait. Juste parfait. Et les mecs? Alex, on retourne à la maison. Les tests finaux sont là, tu veux que je vole les copies? Nah, j'étudierai. Oh, bon choix, mon ami. Bon choix. Get ready, motherfucker. Donc voilà. Brave Jean, la morale de ce jeu, c'est que si tu copies en classe, tu vas finir à crever dans les chiottes avec l'argent de la drogue. Parce que je veux dire, sans déconner, les bonnes notes en classe, ça vaut toute la street cred. Putain. Tu veux être street cred avec des pistons, mais pour ça, faut sortir les crayons, des trucs trop nazes. Dora l'exploratrice sous crack. Ah putain, bon. Victoire. C'est une belle leçon, chers amis. C'était ça qui est bon. La morale, c'est qu'il faut toujours abattre les traîtres. Brave Jean, il faut toujours abattre les poucaves. Oui, je sors des termes des années 90. Hein, les poucaves, ça n'existe plus. Les balances, c'est ça qui est bon. Impeccable. Et sur ce, je vous remercie, vous faites gros bisous et je vous dis à la prochaine, peut-être pour un autre épisode de The Classroom 1 ou de The Classroom 3. Voilà, hein, The Classroom 1, c'est l'après-quel. The Classroom 3, c'est la vengeance. Ah, le rap des CP. Ah, oh, c'est tellement baisé. Oh, misère. Bon, des bisous et à la prochaine. Allez, zou. Oh, putain.